Comment jouer plus vite? Comment jouer plus vite? Eh oui, un sacré problème, ça. Il y a des gens qui croient qu'ils ne pourront jamais jouer vite. Le gars qui m'a montré les premiers accords de la guitare, Gérard, pour ne pas le citer, ben lui, il disait que, ben, il ne pouvait pas jouer vite. Comment jouer plus vite? Eh bien, si, si, il y a des solutions, il y a des solutions. Et moi, j'en ai une et qui fonctionne. On peut jouer plus vite. Il faut travailler avant, c'est sûr. Mais après, quand on travaille, il faut aussi habituer, en fait, les doigts au mouvement, la main gauche et la main droite, essayer d'accélérer les mouvements. Et pour ça, il y a une méthode qui est très simple, qui a fait ses preuves. La technique, c'est pas toujours un déballage comme ça. Ça peut aussi servir pour avoir un jeu beaucoup plus fluide, plus musical, être plus à l'aise. Pouvoir jouer ce qu'on a envie de jouer. Donc, solution, jouer plus vite, c'est possible avec cette solution, par exemple. C'est-à-dire, on regarde à peu près avec un métronome à quelle vitesse on peut aller au maximum en faisant un plan simple. Là, je vais proposer des plans simples. Donc, la première séquence, ça va être juste sur la petite corde et ça va nous faire ça, en la mineure toujours, en la mineure. Alors, je pars à la cinquième case. 8. Avec le petit doigt, 7 avec le 3, et de nouveau la première. Donc ça fait 4 notes. Comme j'avais mentionné dans les autres Guitar Challenge, c'est bien de glisser avec l'index pour aller sous les schémas au-dessus. Et là de nouveau on continue sur la gamme de la mineure, 10, 8, et de nouveau 7. Et on continue, on glisse à 8, et on fait 12. Voilà, donc on va prendre pour ceux, là on va reprendre le tempo à 120, c'est très important, 120 à la noire. Donc 4 notes à 120. On va essayer pour ceux qui n'arrivent pas à faire déjà des doubles croches à 120, on va essayer sur le playback, on va improviser et ponctuellement on va essayer de se placer sur le tempo avec ce plan-là. On peut monter toutes les positions. Et redescendre. Même principe, une note, les deux notes qui sont après, de nouveau la même, et on glisse à la position qui est juste à côté. Voilà, comme c'est indiqué, bien sûr, aussi. Alors, on y va. Jouer plus vite, ça le faire très 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 souvent. Alors, essayer de jouer en même temps, ça développe l'impro et en même temps ça donne des idées parce que quand on est en train de faire ce petit plan, il faut penser à ce qu'on va faire après aussi. Donc ça, c'est bon pour l'inspiration. L'autre plan, c'est de nouveau en double croche, mais là on va descendre par 4 aussi, mais avec un plan qui descend dans les graves, parce que des fois il y a des gens qui disent comment on fait pour descendre à travers les graves, ça voilà, ça c'en est un par exemple, il y a des tonnes et des tonnes heureusement de façon, ça c'en est un pour aller dans les graves, on peut faire la même chose aussi dans l'autre sens. On va faire, on commence sur le troisième schéma de la gamme mineure, on est à la 13, 12 et 10e case sur la petite corde. Voilà, on fait ça deux fois. Et ensuite on descend. Sur le cinquième schéma, 3, 2, 1, 5, parti. On va faire ça, pareil, sur le tempo à 120, double croche, et on va essayer chaque fois de trouver une petite suite, mais surtout de le placer bien, bien, bien sur le temps. Très important.
c'est ouvert. Heureusement, c'est ça qui est magique dans la musique, c'est que tout le monde va en faire quelque chose de différent, de plus intéressant. En tout cas, voilà, j'attends vos vidéos, voir ce que vous avez fait. Donc, comment jouer plus vite à la guitare? C'est possible avec ces deux plans en double croche, bien se placer dessus et les répéter jusqu'à ce qu'on les ait bien dans les doigts. Et on va habituer les doigts, bien sûr, à bouger plus vite, surtout si on est un peu en dessous de sa vitesse normale. N'oubliez pas de vous abonner, il y en aura d'autres, hein, bien sûr, d'autres vidéos. Et surtout, mettez un petit pouce si ça vous plaît. Un commentaire, je réponds tout le temps, et activez la cloche. Donc on joue plus vite ensemble, tous. À bientôt. Ciao.